Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment vous êtes? C'est un plaisir, comme d'habitude, pour m'avec nous, pour me porter information pour nous rester connectés. Et dans ce qui s'est passé, il y a un pile d'amis qui t'a essayé de rentrer en contact avec moi, qui t'a appelé, qui t'a écrit parce que yo pas attendu, yo t'ai même pas présenté l'émission pendant 2 ou 3 jours. Eh bien, mes amis, m'a dit nous que vraiment apprécié le fait que nous checker sur moi, nous pas attendu, nous chercher qu'on côté mien qui ça me gagne, ça pouvons l'autre fois encore nous sommes en famille. Ça pouvons l'autre fois encore nous rester connectés à travail là, nous toujours focus pour nous est-ce que Yannick là, est-ce que Yannick présenté qui ça gagne, qui ça passé. Il est évident que pour jamais message en pile en bas de répondre nous toutes, mais et me connaît que n'a comprendre ça parce que d'habitude ma monde qui pas répondre message, nous toujours été connectés, nous toujours fait et communication, nous toujours parler, nous toujours débattre. Donc et pour une raison de santé, me pas là avec nous. Et m'ka dit jusqu'ici, m'ka crié bénézer bien fort, jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Et ça qui est beaucoup plus important, c'est que nous pas bailler gain dans bataille là, pas céder pour assassin yo, pour criminel yo. Travail a continué fait et merci encore une fois chaque ami qui t'a checké sur moi, qui t'a prend nouvelle moi, qui t'a cherché comment mieux, ça a vraiment fait un pile plaisir. Et jodi a moi tourner back là encore. Et pour me porter émission pour me porter information pour nous rester connectés dans l'idée pour nous connaître exactement qui ça a passé et dans le pays d'Haïti qui décision que acteurs yo apprennent qui ça continuer à engager nation parce que dans le moment là me dit honnêtement et bagaille pas fin trop bon bagaille pas fin trop bon pour pays hein bagaille pas fin trop bon dans décision que pouvoir réel la prend et dans démarche tout international là précisément États-Unis a fait l'âme qu'a dit nous et noir sur blanc que monsieur dame yo bon plan vraiment pour Haïti yo bon plan pour haïtien et c'est une des raisons qui fait nous même nous là pour nous poser problème yo et garder ensemble qui ça nous ka joindre comme solution. Parole la dit crie à moun k'ap crier et réjouis avec moun k'ap réjouis. Et d'habitude, nous toujours commencer par souhaiter joyeux anniversaire à toute fanatique et toute internaute, toute fanatique émission, toute fanatique plateforme qui a fêté une occasion spéciale, un anniversaire, date d'anniversaire, de mariage ou bien de concrétisation, projet quelconque que tu aies gagné sous pied. Eh bien, je dis là, et c'est une occasion de tristesse, une occasion de deuil. Et n'a profité voyez toute sympathie nous baillon fanatique inconditionnel émission monsieur Almonor qui perdu madame ni et de regretter de mémoire madame ni traversée madame ni passée de la vie au trépas et c'est madame non qui t'a occupé qui t'a pris soin parce que et monsieur Almonor c'est un monde qui a mobilité réduite c'est un monde qui lui-même a combattu la vie, a fait face avec la vie, et qu'on a lui trouvé une situation qui est extrêmement difficile. Moun qui était plus proche, qui t'a pris soin, lui perdu lui, et madame, lui font stroke, lui tomber, et par la suite, il t'a pral, et perdu la vie. Li. Donc, et nous comprendre, nous connaître dans quelle situation il est, nous connaître qui ça a traversé, ou nous connaître tristesse, ou nous connaître émotion, yo. Et honnêtement, l'amour son bagage nous pas jamais casser habitude avec lui séparation difficile et ça vraiment nous pas jamais casser habitude non non pam non non émission mon édit non non émission mon éditorial avec Yannick non non toute équipe TAC 509 là n'a souhaité et nos sincères condoléances n'a souhaité au courage en pile courage n'a souhaité et un moment de réconfort c'est vraiment difficile mais nous connaît et nous connaissons avec un pile patience et on va essayer remonter dans nous même pour surpasser ou pour surpasser moment difficile là l'apprentissage c'est vrai mais nous connaissons et temps à priver façonner bagaille yo l'autre gens pile courage très cher pile courage et c'est pas seulement monsieur Amonor nous gagnons leur fanatique nous gagnons Suzy qui gagne seul l'hôpital on sait que le remet en pile et situation vraiment difficile donc nous réjouir avec monde qui a préjoué comme ça tout leur tristesse nous partager avec les amis parce que c'est en famille dans TAC 509 nous sommes en famille nous là pour nous épauler monde leur en besoin nous là pour nous partager bonheur yo avec monde qui a préjoué mais comme ça tout leur drame yo nous là tout pour nous porter sympathie pour nous porter réconfort avec chaque ami chaque famille chaque fanatique émission plateforme non qui par jamais lagué nous yon mai et tout n'a profité
et souhaiter un joyeux fête d'anniversaire à chaque ami, chaque fanatique et soit qui te partage d'être là avec nous, mais à cause que vraiment pas trop focus sur téléphone, ça a échappé nous et comprendre que situation difficile et un anniversaire de mariage, de naissance, un projet quelconque que tu as réalisé et je dis à la c'est occasion pour concrétiser. N'a souhaite en pile courage, en pile détermination, continuer dans faire ça qui positif yo et continuer à aller dans ligne positif ou baiter tout pour atteindre objectif. Et nous là, nous sommes famille, bataille la continue en famille. Et dans moment là, nous avons honnêtement Haïti, qui est en Haïti, qui est dans la diaspora, depuis ces nouvelles qui sont en Haïti, ou apprend, et li probable pour tension monter, li probable pour sucre monter, li probable pour pas faire, pour stress en va, pour faire maladie ça. Et c'est difficile vraiment. Mais nous connaissons Haïtiens, en tant qu'Haïtiens, nous sommes les gens qui gagnent courage, nous sommes les gens qui pas peur bataille. Nous continuons la bataille, nous continuons à avancer, petit pas. Pour nous et défendre tête nous pourquoi pas pour nous défendre pays nous tout parce que c'est seul ça nous ka fait pour pays. Bon mes amis ça perd du temps n'a pas rentrer dans information yo j'aime toujours aimer dire bourrique chargé pas camper ces informations nous porter gros petit problème créole qui dit si pas que si tirer pas gagne voler et nous voulons nous l'ouvrir l'esprit nous bon toute attention nous parce que là nous pral poser problème yo. Nous pral poser problème et on pral arriver comprendre exactement qui ça cap régler en dedans pouvoir réel. On pral arriver identifier tout si tiré qui gen là dans moment dans l'état. Si pas gen si tiré pas gen volé. Est-ce que ça qu'on rive poser tête ou question pour mander tête tout? Bon. Gang yo pas voyager, nèg yo ti la pli l'an mois sans jour vite l'homme yo, nèg gen je peuple yo pas voyager. Comment le fait facile comme ça pour nèg yo joine zam, pour nèg yo joine balle, toute journée c'est guerre, toute journée a fait kidnapping, a fait affrontement avec la police. Ou qu'on pose des toutes questions ça? Bon, sou qu'on pose elle probablement ou ka yon parti nan réponse ça. Ou pral di OK nèg nan l'état yo, secteur privé a. Ou pral di bon ça arrivé beaucoup nyan mon question de l'église épiscopale, l'église nan vann zam, l'église nan vann balle. Ça son parti nan réponse ça. Mais gen l'autre bagaille qui plus profond toujours. Nous pral parler. Non jou ki sot passé yo ou tande on l'obeil qui éclate dans pays an, izo ka fait vidéo ka montrer plaque YouTube li rive gen 100,000 abonnés. Mon ta me konn ki 100,000 épaves za yo ki abonné a izo. Ou ki sa izo ka pote de positif? Ki sa izo ka prouvé ou la de positif ki ka utile pays an? Ki sa izo ka partager avec ou comme information ki ka utile société a? Anyen, on merde. Et pourtant, ou a joindre des séries de haïtiens, ou a joindre des séries de moun sans cervelle qui allait qui abonné avec Izo, qui allait cap garder, cap stream musique Izo, cap faire promotion pour gang. Et puis nous voulons faire connait que nous voulons pays avancer, nous voulons que pays marche. Kounye a on nous garder hypothèse YouTube. Pour moun rive gen plaque YouTube là, premier bagage il faut gen 100,000 abonnés. Izo gen 100,000 abonnés. Mais pour gen 100,000 abonnés pour ou bon plateforme YouTube qui monétise et qui a généré revenu, yon pas reconnaître monétisation en Haïti. Donc probablement faut qu'il fait dans le pays qui est éligible pour monétisation. Donc aux États-Unis, Canada, la France et République Dominicaine, pas quatre pays, etc. Mais nous avons pris hypothèse qui plus probable côté ISO ta monétisé plateforme nyan aux États-Unis. Qui est-ce qui monétise? Qui est-ce qui mette social li, toute information personnelle li, qui rentre dans base de données qui pral monétiser page YouTube ISO 5 secondes qui est lié. Donc kounye a véritablement si l'état haïtien te kon bagay li ta fait ou même comme citoyen k'ap chèche information t'ap pral poser tes petites questions ça comment fait ISO monétiser qui est ça ISO gen comme complice comme criminel pareil li qui permet à ce que journée jodi al ka montre la fait show off comme quoi li c'est artiste mafia monde là et en paquet radon en paquet transtaille pour montrer que les fiers aujourd'hui c'est artistes, même YouTube bal valeur, bal respect, etc. Premier bagage, ministère de la justice. Si madame Zanou gen comme mini justice, li te kon wòl, li te kon mission, li te gen nan tèt l'état, yo t'a fait toute coordination avec FBI, avec Interpol, yo t'a privé tracer, yo t'a privé traquer moun sa qui enregistré YouTube Izoa. Mais comme c'est pas pays n'a fait, c'est brigandai n'a pas réglé, c'est bamboche nèg yo a fait en dedans l'état, nèg yo a réglé a fait par monsieur dame yo a réglé a fait par yo.
Quand on nous prend hypothèse, ils ont dit le fait l'argent et musique lui générer revenu, le fait l'argent, OK, pas de problème. Même bon monde qui touche l'argent pour ils ont, même monde qui monétise l'argent, lui touche l'argent pour ils ont, qui est lié? Ça c'est premier bagaille pour population haïtienne ta gata connait qui est lié, qui est monde ça qui supporte ils ont de l'extérieur. En pile fois nous ils ont fait vidéo, ils ont posté des séries de Gucci, des séries de gros maclimeté, paquet bling bling ni nan cool. Mais yon pas fait en Haïti. Yo pas fait en Haïti, c'est qui est qui à l'extérieur qui a facilité bagay sa yo rentrer vinn jwenn izo ka blanchi l'argent pour izo qui est yo ye? Toute question sa yo j'ai l'impression même autorité en Haïti yo pa gen réponse ça à moins que c'est même yo même dans l'état encore qu'a facilité izo tout bagay sa yo en tant que citoyen haïtien en tant que moun ka réfléchi moun ki vle comprendre ça qu'a passé en dedans système nan en dedans pouvoir l'état nous supposé qu'a poser tête nous question basique ça yo ti question ba ti question rale ça yo ti question basique ça yo pour nous river chercher réponse yo pour nous river joindre réponse yo parce que pi gros question yo pi gros question maman pe ba question yo li pas facile pour nous joindre réponse yo parce que réponse nan moun ki sensé la pour répondre question ça yo c'est yo même qui a créé problème yo c'est yo même qui a généré question yo parce que nous pas bon paquet nèg paquet femme dans l'état qui pas assumé responsabilité yo qui pas ka fait travail nous paye yo pour yo faire qui pas ka fait travail que yo prend engagement pour yo faire c'est yo mette nous là c'est yo mette nous côté nous là avec gang yo avec groupe armé yo la police déterminée pour le traquer gang pour le traquer bandi bon policier yo précisément parce que nous bon état major la police qui divisé cependant malgré la division dans état major la police nous supposons apprécier chaque effort considérable, chaque risque qu'un policier prend pour la traquer gang, pour la traquer bandit. Dimanche, nous apprenons 3 policiers qui tombent en babal bandit. Policiers prennent un guet-apens, policiers prennent un piège. La police finit stopper bandit Timakakyo, dans Thomasin. Policiers ça qui pas même dans opération qui pas même dans intervention que la police t'a pral faire juste là pour faire couverture yo juste là pour venir sécuriser périmètre côté bandi yo tomber et bandi tomber zamatia et cetera faut que venir sécuriser c'est là on pral prendre un guet-apens bandi timakakyo qui pral venir riposter qui pral venir faire représailles policier pral tomber et honnêtement le policier ça yo tomber si pas de bon policier brave toujours. Si pas de policier à conviction toujours, qui te wè nécessité pour yon tirer revanche, qui te wè nécessité côté que Fred Dom yon tombe, sans ça qui coule, elle pas verser pour gomme, si te décide, malgré vanze mare, monte, malgré embuscade qui te prépare, malgré piège qui te prépare, pour yon monte Thomasin, pour yon al fè ça yon doit faire, pour yon al fè travail, pour yon al stoppe bandit makak yon, en vérité, jounen jodi an la, nous tap seulement déplorer cadavre policier, déplorer l'amour policier, quel te ministre intérieur, quel te primature, quel te ministre justice, yo tout yo tap seulement voye sympathie yo bay famille victime yo, et nous pas tap tande, quand tu te bandit sa ou tombe dans bas timan kakwa, gen moun ki dou tantôt se 3 bandits tombe, gen moun ki dou 7 bandits, mais information qui yon jen de bonne source, gen plus que 10 bandits dans bas timan kakwa qui tombe, gen plus que 10 bandits dans bas timan kakwa que la police stoppe. Jouk nan bon man a parlé à la, gen tentative ka fait, gen opération ka fait pour arriver démanteler gang Timakaklan. Donc ça qui est important c'est que policier qui déterminé pour traquer gang, pour traquer bandi, pour stopper bandi Timakaklan dans la boule 12, mon cher chapeau bas pour nous continuer avec même conviction, continuer avec même détermination, même volonté, mais ça pas veut dire pour autant c'est tout corps policier qui gen volonté pour traquer gang, pour traquer bandi. Ça pas rien dit pour autant c'est tout corps police non qui gagne volonté on va dire nous comment on va comprendre que dans la Tibonite 25 janvier passé l'année a fait commencer un drame côté que nèg grand rif nèg Xavier yo touyé 7 policiers 7 policiers tombé automatiquement gagne remaniement qui fait en dedans et la police en dedans ou état major la police yo t'a pas changer ancien DDA qui était là, Bruce Mirtil, yo t'a pral vinn voyon nouveau directeur départemental, Godson Jeune. Non, jou ki sa passé, yo la m'apprend gon bagay qui rive dans l'Antibonite. Là, il tête chargé net. Gros chef, on dit non. Kap sorti gros naïf pour rentrer Saint-Marc. Nan escort li genye yon bakop une mois avec qui te gen environ 6 policiers bien armés
yo konn ki zone y'a fait, nèg yo bien armé, bien préparé. Et gros chef là lui-même, li te gagné entre 4 à 5 policiers avec dans machine pal k'ap bal sécurité. À mi-chemin, le pou yo ap sorti konn ay vou rentre se mankou, yo rive nan bout route. Yo pral pantan sou un kidnapping k'a fait. Nèg yo sorti comme si de rien n'était, yo sorti pour yo vin kidnapper moun. En vérité, communication faite. Nèg yo moyo, yo nèg yo te gen toute volonté yo. Nèg yo senti yo confortable, nèg yo senti de manière stratégique, yo te ka stopper sa k'a fait là. En vérité, mande l'ordre nad marinade. Mande mon chef la lode pour intervenir. En vérité, nad marinade. C'est aller le braler, c'est lui-même qui a escorté, lui-même pour escorter. Il a kidnappé moun, bandi a pran moun, mette dans machine baro, gros coincé moun, mette moun, gros chef là, li pa bay nèg yo lode, li pa bay moun yo lode pour intervenir. Yo finale à destination, rive mené gros chef là, côté yo tap mené là. Kounya c'est juste le policier ou les policiers ils m'ont rivé ou c'est juste le ça non parler policiers ont décidé de camper en rébellion fait à page kounya laisse à policiers ont décidé eux même ils ont intervenu ils ont rivé dévier 4 kidnappings ils ont rivé sauver 4 moun. 4 moun ça ils ont pris aller ils ont tiré balle etc ils ont sauvé 4 moun ça ils ont allé avec eux. Donc si bagay la, si policiers ont intervenu dans moment moi ils ont supposé intervenir ils ont dû intervenir ça fait qu'arriver ils ont sauvé plus moun. Bon, ça te arrivé tout, des victimes, mais policiers qui connaissent les grandes missions qui se protègent et servir aux communautés, aux populations, comme un gros chef fait, les refuser par l'ordre pour protéger les gens, pour sauver les gens. Donc là, quelque part, nous prenons comprendre qui est vraiment qui a intérêt dans l'insécurité, hein? Qui est vraiment qui a insécurité pour payer arrêter les gens. En dehors de l'activité, kidnapping, assassinat, n'est pas réglé. Gros grave bagay ka passe dans le département de la Tibonite dans moment là. Moi-même, je me fixe sur le département de la Tibonite. Je copie les preuves, je copie les informations et bagay ça vient pour éclater. Moun qui se moun bon arrive, yo pral comprendre très bien de qui ça m'a parlé là. Est-ce que nous parlons manquer un gros paquet de Jamaïcains qui n'ont plusieurs hôtels en dedans bon arrive? Posez toute question, mandez qui ça Jamaïcain ça vient faire. Est-ce que Jamaïcain vient de nous planter? Est-ce que vous venez de nous faire combien? Qui ça vous venez de faire? Eh bien, m'a dit nous, dans bon arrive dans moment là, bon gros réseau de drogue qui a brassé, bon gros réseau d'âme qui a brassé. Là, dans bon arrive, dans figure autorité, dans figure directeur départemental la Tibonite, dans figure toute autorité, gros autobré dans département la Tibonite. Qui ça vous dit? Qui ça vous fait? Qui disposition vous prend? Qui ça vous fait? Et m'a dit honnêtement, journée aujourd'hui là, gen vie en pile policier qui en jeu. Gen la vie en pile policier qui en danger pour qui ça parce que policier kal fè opération, les policiers al mené opération, policier yo tombé sous drogue, policier yo tombé sous zam, policier yo vle fè arrestation et puis gros chef refuse arrestation fait. Gros chef refuse pour policier yo arrêté. Trafiquant drogue, trafiquant zam, en dedans ville Gonaïve, qui c'est des Jamaïcains, pour qui ça pose des questions. Parce que yon gon intérêt dans sa ka fait là, yon se associé, yon se allié, et c'est ça qui fait extrêmement important. Bureau affaires criminelles en dedans de CPJ, doit enquêter, bat doit enquêter sous présent Jamaïcain sa yon Gonaïve, sous présent Jamaïcain sa yon département l'Antibonite, qui sa yon regle, qui sa yon fait. Et remaniement ça qui fait dans le PNH. Moi, je pense que c'est ce bagage qui t'a pris pour tes résultats dans la Tibonite. Depuis les nègres, ça vient, les nègres gangs qui ont fini assassiner les policiers en janvier passé à la. Pourquoi j'en gagne sérieux? Non, qui fait dans la Tibonite? Oui, c'est vrai, t'as des gros démonstrations. Avant qu'il y ait une grosse démonstration, force faite dans la Tibonite, chablène des policiers, etc. Mais pour qui ça luxonne pour qu'on ait démantelé? Bon, nous t'en devons grand griffe, qu'on y a le fond de griffe tout. Moun la Tibonite, moun Miankou, moun Moro, moun de Chapel, yon konn exactement qui ça m'a parlé là. En dehors de base grand griffe, ça vient, gon base griffe tout, qui toujours c'est allié nèg grand griffe, allié Luxon, c'est moun kap travail pour Luxon. Tellement bagay la bon pour yon. Tellement c'est alliance qui fait autorité, bandi autorité. Posez-vous tout question. Tout pays qui a fonctionné, c'est la justice, c'est la police.
C'est institution régalienne ça, institution ça qui la ministère ça qui la pour garantir souveraineté paysan, c'est eux même qui permet paysan fonctionner. C'est eux même qui permet que population en sécurité. En Haïti, ou gen ministère de défense, ou gen ministère de la justice, ou gen la police, ou gen l'armée, ou gen ministère de l'intérieur qui rôle yo, qui utilité yo. Qui ça y a réglé? Ou prend par exemple premier ministre Ariel Henry. Ariel, il y a à la fois premier ministre et ministre de l'intérieur. Ou gagne Emily Prophète, ministre justice. Ou gagne Enol Joseph, ministre défense. Qui ça a réglé dans moment là? Mais mes amis, on est sérieux, qui ça? Moi même des fois m'a demandé tête moi. Nèg ça, monsieur dame ça aussi, on te gagne dans figure. Si moun ça c'est moun qui était honnête, yo était avec propre tête. Yo si t'es si au moins yo était bon minimum de route. Si vous êtes sensible pour nos familles, puisque vous dites que c'est des gens qui éduquent, etc. Si vous êtes sensible pour les parents, vous faites avec vous. C'est vous même qui t'a donné le moment de démissionner ou qui t'a payé. Parce que ça, moi, je suis là en dedans paysan. Ça, moi, là, qui était de paysan. Je ne pas quoi aucun nègre, aucune femme qui a dit qu'il a défendu l'intérêt pays toujours. Je ne pas quoi aucun monde qui a dit là pour dire qu'il a défendu l'intérêt pays. Parce que je ne pas qui ça qui est là comme pays toujours. Pour ne pas dire qu'il a défendu l'intérêt pays. Sinon, que l'intérêt pour vous. Hier m'a tendé propriétaire bateau Miss Lilia. Tendez-vous? Madame n'a pas parlé et bagay sa son route liée, son véritable route. À un certain moment, information t'a circulé qui t'a fait quoi que bateau Miss Lilia ta bateau madame Ateli. Bon ça c'est information que et DCPJ pour enquêter, bureau affaires criminelles, bureau affaires financières qui pour enquêter, qui pour dire oui ou non est-ce que c'est bateau et dame là effectivement ou bien est-ce que l'argent qui a acheté bateau t'as l'argent madame Ateli. Whatever. Ça c'est travail la police, c'est travail d'enquête qui doit faire en dedans bureau affaires financières. Mais non dossier bateau Miss Lilia, non qui est-ce qui t'a cité comme trafiquant d'armes? C'est des séries de gros bras dans le pouvoir, Ariel. Gros bras dans le gouvernement, Ariel. C'était ministre Bertrand Dorcé. C'était ministre Bertrand Dorcé. C'était secrétaire général Barreau Port-au-Prince. C'est non moun sa, Robinson Pierre-Louis. Maître Robinson Pierre-Louis, c'est non taxité comme moun qui fait zam rentrer en dedans pays. Yon ministre de la justice. Yon ministre qui gen yon mission régalienne. Qui a une mission de protection de souveraineté pays, qui a une mission pour traquer bandi, marrer bandi, qui a une mission pour préserver l'intégrité territoriale, qui a une mission pour garantir souveraineté nationale, et puis c'est vagabond ça qui implique dans ces âmes rentrer dans le pays, et c'est et le même exemple pour effacer toute trace, pour effacer toute implication l'italien dans la question trafic d'âme, yo pral dou qui responsable. Qui derrière bateau Miss Lilian qui est en vente. Yon bateau qui n'a qu'à d'yon enquête criminelle qui t'a supposé placer sous scellé ou tende bateau vente. Mais ça sont deux problèmes. Li problème pour potentiel propriétaire bateau, li yon problème pour l'État haïtien pour côté corps du délian. Bon, c'est un bateau à zam yon vini. Non seulement bateau son élément de formation dans l'enquête là, zam yo tout l'autre bord, c'est un élément de formation dans l'enquête là, c'est des éléments de preuve yo. C'est eux même qui pral permettre yo constituer scène crime là, yo qui pral permettre yo constituer infraction. Et pourtant raquette criminel assassiné au vent bateau, donc ça veut dire qu'on y a et même j'en tout carte de vent zam yo. C'est même j'en tout carte de zam yo disparaît si pas gen bateau, si pas gen zam, de qui sont pral inculper là? Qui sont prêts à mettre sous dole comme chef d'accusation, comme charge? Ah bon? N'est-ce qu'on conseille à faire? N'est-ce qu'on conseille à faire? Et c'est ça qui fait toujours important pour ne pas quitter aucun monde pour point imbécile, pour point tatane. Toute infraction criminelle pour constituer, il faut qu'il y ait un élément matériel, il faut qu'il y ait un élément légal, il faut qu'il y ait un élément intentionnel. Là, qu'on y a à côté de l'élément matériel, là, ok? Il y a deux bateaux vendus. Nous ne connaissons pas les amis et tout. Nous ne connaissons pas si zam yo, si yo pa likide yo, si zam yo pa de gen retourner à jeune propriétaire, nous ne connaissons aucun bagay de information sa yo. Seulement, seul ça nous connaît. Dans le dossier zam port de paix, dans le moment où on a parlé à la, rapport qui est pour avec implication présumée Bertrand Dorcé, il n'y a pas de cheminée.
Li pou ko jom acheminé, c'est une des raisons maintenant des DCPJ tande y a mandé arrestation Beto Dossé. Arrestation pa ka fait côté rapport a. Côté rapport qui indexé Beto Dossé a. Donc là on dit nous, c'est bandi légal, c'est bagay bandi légal, c'est activité criminelle légale ka fait. Nèg sa yo ki an dedans pouvoir l'état là, ki an dedans gouvernement Ariel Henry, pa prend monsieur dame sa yo pou bon moun. M pa kwè t'ap bon kin bon moun la ki t'ap accepté a bien dans la bou cochon ça. M pa kwè aucun moun honnête nan moment là ki t'ap accepté rete nan pouvoir Ariel Henry. M pa parler nous de fonctionnaires ki en bas net yo non. M pa parler nous de malheureux malheureuses k'ap travay nan l'état, ki gen job yo y'a fait non. M pa parler nous de gros bras en dedans pouvoir. M pa parler nous des ministres, des secrétaires d'État, des directeurs généraux, moun qui impliqué dans activité corruption et de moun sa yo m'a parlé non. Ah bon, nous penser son bagay qui anodin. Oh, madame nan vini di bateau le vent. Nous penser son bagay qui anodin comme si c'est juste comme ça, c'est juste un hasard bateau avant non. Si pa gen bateau, comme ça tout kate do bon matin yo di nous pa gen zam tout. Donc là ça pa ka arrêter Beto Dossé, c'est tande nous katande yo libérer Robinson Pierre parce que pa gen preuve. Preuve yo disparaît, preuve yo volatilisé. C'est même genre pour qui tel. En pays, toute journée, presque chaque jour, tande kidnapping a fait. Et on gagne un ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Yon moun ki sans est responsable pour gérer territoire, pour gérer question territoriale, question intérieure de dans pays. Et puis c'est moun sa tande qui impliqué dans sa kidnapping. Koun a posé tête ou question. Qui profite kidnapping nan gen. Pose tête toute question, Izo vire tout non dans des impliqué dans kidnapping, nèg vite l'homme tout gang qui impliqué dans kidnapping en dedans pays. Pose tête toute question pour connait réellement l'argent kidnapping ça, comment le partager, comment le distribuer, pour connait qui est-ce qui a blanchi l'argent pour kidnapper yo, parce que son activité qui rentable pour yo, yo pas font bagay sans que yo pas jeune intérêt, yo pas jeune profit yo là-dedans. Et nan tout cas tu pour mais ça véritable question pour poser tête toi. Nan moment là Pour qui ça c'est kounye a information fuite en dedans Pentagone comme quoi gen mercenaires russes qui gen intention rentrer en Haïti ou bien yo ta fait quoi gen déjà en Haïti là qui a vinn porter main forte avec pouvoir Ariel Henry pour vinn démanteler gang pour vinn stopper bandi. Qui ça nous Ariel fait? Ariel courir met deux mains dans tête là en way. M'pa konnen parler avec bandi avec et aucune autorité russe, m'pa konnen pouvoir nan tete lan avec la Russie, pa gen bagay kon sa pièce, m'pa konnen pa au courant de bagay sa. Effectivement, m'bra di nou. On groupe mercenaire pa kan ik décidé un bon matin pou vinn rentrer sous sol haïtien. Même le Haïti a voulu faire tout non ça avant nous. Non, yo pa ka faire comme ça. Si pou yo ta vini, gon moun ki t'a prélé, gon moun ki t'a bay ou aval. Et c'est parce que nous toujours utilisons en pratique côté que nous parlons de population compte qui fait nous tomber côté nier la journée aujourd'hui qui faut ka wè ou tande gen dossier fuite de dans Pentagone États-Unis d'où gen mercenaires russes qui veulent vinn traquer gang qui veulent vinn et résoudre problème insécurité en Haïti. Mais écoute, États-Unis pas veulent aider nous. États-Unis pas veulent aider nous. En quoi cela son problème maintenant si la Russie t'a veut venir aider nous? Est-ce qu'on entend? Ça comme si nèg yo pa vle manje, mais yo cherche tout genre façon pour yo larguer un tira avec la dedans. Vous comprenez pour yo gâter manger, pour yo sale manger, pour yo faire. Vous comprenez, yo pa manger l'aucun moun pa vle manger. Y a gâter toute bagaille. Bon donc pratiquement c'est qui ça lié. Nous sommes sous président Jovenel Moïse, té mon groupe mercenaire yo arrêté en Haïti. Yo arrêté yo en première version bail, le ça c'est en té premier ministre. Bon première version d'où yo té vinn casser BRH, vinn boter réserve nous. Bon l'autre version d'où CCE yote vin assassiné. Bon troisième version d'où yote là pour yote ba manifestant bal nan tête. Jou nan moment n'a parlé à là, nous pas jamais konn qui est-ce qui te voye des mercenaires yo. Nous pas jamais konn qui ça mercenaire yote vin faire. Seulement konn Magali habitant qui te mette machine disponible et machine qui t'en bas des mercenaires, c'est machine Magali habitant telo etc. C'est ça on gagne comme information. Ni moun qui fait violation souveraineté nationale là, tout le monde ça marche dans figure nous, tout le monde ça on est cité avec mercenaires, tout le monde ça en liberté, on a pouvoir rien en rien, il y a bien passé. C'est dans pratique côté que toute bagaille qui fait en Haïti, tout vous me c'est d'eau, il y a pas de population compte, il y a pas de personne monde compte, et puis nous tendez tout le monde qui voulait rentrer a rentrer de manière illégale. Qui ça t'a gagné si t'as un groupe mercenaire que pouvoir rien en rien t'a engagé pour venir péter tête bandit? Population besoin la paix, nous besoin de tranquillité, mais tout
faut que nous caler genoux. Faut que nous caler genoux pour nous comprendre. Pour qui ça c'est qu'on y a États-Unis la information ça yo? Est-ce que c'est pas une campagne de désinformation qu'a fait tout pour montrer que la Russie a une intention puisque Moïse Jean-Charles vit avant virer tourner son question la Russie. Yo bon bonne partie dans population qui yo même pas d'accord avec pratique américaine yo encore qu'a demandé la Russie. Et surtout dans moment là, la Russie a présidé Conseil de sécurité Nations Unies. N'est-ce pas le bon moment? Est-ce que ce n'est pas un bon moment pour les États-Unis pour l'éclatant scandale qui concerne la Russie? Pour empêcher la Russie de venir avec des idées sur le dossier haïtien? Tout ça, yon la donne. Tout ça, yon la donne. Bon, je vais quitter nous avec l'ancien colonel Himmler Rebu qui lui-même, il a une idée pâle. Il comprend la question de la Russie et États-Unis en un moment-là. C'est une grosse bataille d'intérêt qu'a fait. C'est une grosse bataille d'intérêt qu'a fait. C'est qui ça États-Unis gagne réellement comme intérêt en Haïti et qui ça la Russie visé comme intérêt en Haïti pour qui ça bataille géopolitique là. Nous pourrons joindre toute réponse ça avec colonel Himmler Rebu. Bon attention, on nous continue par les pays, on nous continue chercher réponse avec problème pays. Ouais, les retards dans la livraison de matériel et qui a renforcé la capacité opérationnelle PNH là, entre autres. Ou est que FADH passe sous petit papier en Kenya, gros coopérant, États-Unis, Canada, la France, entre autres. Ou est seulement qui gagne au niveau des effectifs, notamment le programme Biden, entre autres. Nous, la réalité de l'armement des bandes armées. Nous avons leur stratégie et opérationnelle. Et nous avons les difficultés. Yo. Et la population civile là, c'est les mêmes qui ciblent de cette bande armée qui a mené en guerre et contre les mêmes à des intensités variées et atrocités, exécution, boulet, cadavre, crasé, pillé, n'a au quotidien et dans plusieurs quartiers au niveau de la zone métropolitaine. Nous parlons souvent de questions là et je dis à notre écoute. Pour nous demander, et dans la phase nous là, quelles sont vos recommandations? En question unique. Bon, il est évident que le monde qui a dirigé le pays a quitté la situation dérivée totalement. Il y a le docteur Ariel Henry qui a fait paraître dans la charge qu'il a accepté. Il a une possibilité de prendre des mesures extrêmement vigoureuses pour opérer un verrou dans le système de fonctionnement monsieur qui a pris les bandits. Malheureusement, il n'a pas fait ça. Tu mettais dispositif qui te mettait par groupe cap opéré, il rentre dans étranglement et il est étendu dans toute cellule espace géographique. Yo. Pas aucun côté qui protège aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'on aurait dû faire dès le départ. Cette histoire, il est très clair que la police nationale manquait d'équipement. Et il y a des équipements essentiels que j'aime tendre, yo parler et qui pas gagné. Parce que là où on en uniforme voit qu'on son véhicule de service, la police ou son cible. Pas jamais unité ainsi. Parce que là, il faut mettre que nous sommes dans une situation de guerre. Parce qu'à plusieurs reprises, vous entendez que M. Dio est tombé dans l'embuscade. Donc, si il est tombé dans l'embuscade, il est sorti dans le cadre opérationnalisation la police là, il est rentré dans l'autre type d'évolution. Donc, ou pas qu'il y ait une troupe qui a évolué sur le terrain sans que pas gain terrain pas balisé devant. Et il y a plusieurs méthodes pour baliser le terrain. Et aujourd'hui, et longtemps, c'était beaucoup plus difficile parce qu'on était obligé de faire balisage là avec un dispositif de renseignement fixe et des fois mobile, surtout banalisé. Il est obligé de banaliser. Mais aujourd'hui, la technologie a développé en pile. Il n'est pas normal que des policiers qui circulent son véhicule, son axe routier, capables de gagner monde le long de ce taxi qui a attaqué. Cela veut dire que le terrain n'est pas balisé. Et pour faire balisage là, il faut que vous ayez des moyens liés à la technologie. Ça que vous parlez du tout.
En ce qui concerne les opérations, la police a fait opération jusqu'à ce que Jésus-Christ tourne et situation apprêtée même parce que mode opératoire la police, ça, c'est entrer, résoudre un problème et retourner dans le commissariat. Donc, au grand mouvement accordé en permanence entre bandits et la police, là, avec un avantage pour bandits qui est incrusté en dedans espace géographique là et dans la nappe urbaine, dans la nappe sociale. Donc, laisse ça vous rentrer en un cadre opération spéciale. Et ça m'a dit un pile monde, ça m'a dit un pile moyen, et je dis à la technologie a facilité un pile bagaille, et moi pas attendez par un pile de ça. Tant mieux si vous ne parlez pas de ça, mais si vous avez fait ça, vous ne faites pas. Moi pas quoi, c'est le cas. Donc, ensuite, vous avez posé problème tout à l'heure de FADH qui pas dans le cahier américain. Américains ont une contrainte légale, ils ont une loi qui votait dans le Congrès qui empêchait de développer des relations avec l'armée d'Haïti. Ce n'est pas un caprice lié, c'est une clause légale. Maintenant, ils disent tout, et de manière très claire, et nous avons une preuve là, au niveau du monde international, que Haïti est un pays qui doit avoir un contact avec l'autre pays, et comme de fait, ils ont fait ça. Ils ont des gens qui entraînent, qui reçoivent très bonne formation. En Équateur, il y a des gens qui reçoivent formation au Mexique. Maintenant, qui qualité formation, qui spécificité, yo mandé bon côté pays ça yo pour préparation militaire que yo fait yo. Et ensuite, le rentrer qui harmonisation qui fait pour capable mettre de mode opératoire fonctionnel au niveau de la mer, ça dépend seulement de autorités haïtiennes yo. Mais grand pile qui pour des raisons que nous pas comprendre qui est un petit peu timoré, bien des initiatives, yo peut prendre, parce que yo dit que les Américains pas voulu yo gen l'armée, mais moi, quoi que situation que nous y là, Haïti, gen trop moun qui préparé, et nous gen suffisamment moun qui préparé dans l'art militaire, c'est juste une question de monter une stratégie, harmoniser action sous terre. Et faire acquisition matérielle là au niveau de pays qui bagne contre les États-Unis. Parce que si nous c'est à travers mode opératoire la police là que d'après c'est résoudre problème ça, il n'y a pas de chambre résoudre. Et plus il traînait, c'est plus incrustation, monsieur, que nous les bandits, un deux corpus urbain a fait plus. Et c'est plus difficile pour nous résoudre le problème. Est-ce que le leadership, qui te mettait en bon second, le leadership politique, ça, qui l'a, je veux dire, s'il a l'attitude, ça, pour contourner les Américains, pour aller auprès d'autres partenaires qui peuvent rencontrer trop palais là pour équiper et renforcer les FADH? Non, moi, pas quoi que vous gagnez, vous n'avez pas de liberté d'esprit que vous gagnez, et conditions, vous arrivez sur le pouvoir, et vous avez une conditionnalité, vous avez expliqué l'attitude, vous avez. Et moi, papé approuvé li, même comprendre ni. Parce que c'est de moun qui seul sur le bagage support population, hein. Yo pas gen on légitimité politique quelconque. Yo pas gen on attitude d'un parti pour ta vin faire acquisition, ça veut pas gen au départ un appui de la population. Je veux dire, la population t'a très content appuyé de moun qui a dirigé le vraiment. Mais il y a une rupture, il y a une confiance qui n'a pas été créée de toute façon qui est perdue. Et il y a un déficit de légitimité populaire. Donc, il n'y a pas fait parole de confiance. Il y a son monde qui a fait pour discuter avec gouvernance pays avec Dr. Ariel Henry. Tout le monde a dû avoir, c'est des hommes qui ont parlé. Parce que il y a un vicié concept de gouvernance. Là, et yo, tout simplement, il n'y a pas sérieux. Et il n'y a pas sérieux dans des détails extraordinaires qu'on peut imaginer. Gardez une note que le ministère de la Justice sorti pour affaires policières, qui mourut le 9 avril. Le rend public une note que vous signez le 8 avril. Vous parlez de compte de ça. Cela veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas aimés, en tout cas qui ne sont pas assistés. Nous ne dit pas bien assistés. Parce que le ministre pas rend public une note son bagage aussi grave. Qui passait le 9 avril et pour notre pire signe le 8. C'est deux bagailles qui tabaillent et droit à des colibés, mais comme son situation extrêmement triste, et qui témoignent d'une certaine négligence, d'une certaine légèreté de la gestion des affaires de l'État. Donc, si vous signez une note
des erreurs aussi graves à passer. Je ne sais pas que c'est le ministre ancien qui t'appelle les plats. Donc, il y a un monde qui t'appelle. Pour le monde qui t'appelle, il y a un monde dans le cabinet qui remet le secrétaire à la chose. Donc, tout le monde qui porte le ministre. Donc, tout le monde qui porte le ministre, il n'y a pas jusqu'à ce ministre. Pas l'île. L'ici, hein, comme ça. Donc, ça a relevé une certaine légèreté dans approcher des questions essentielles et surtout nos situations de crise. Côté tout le monde devait porter en alerte en permanence pour chercher des solutions. Donc, moi-même, moi, je crois que mais, les solutions. Avant, allez-y. Si je comprends bien, et aujourd'hui, aborder de manière sérieuse et efficace la dégradation du climat sécuritaire face à ces bandes armées qui livrent une guerre de basse intensité à la population, l'idée irrémédiablement passer par un questionnement ou un changement du leadership politique, si je comprends bien. C'est le leadership politique là qui détermine tout le bagage. Parce que l'unité n'est pas opérationnelle par eux-mêmes. C'est comme nous tenons dans la théorie générale de la guerre. Pas aucun pays, côté militaire, ni policier, entreprennent des actions et dans le corpus social, sans validation des structures politiques. Or, il se trouve que structure politique nous a vicié à la base. Il est vicié à la base parce que, au moment où il était imposé nous, gagnons, comme on fait, et presque comme on fait d'État, d'ailleurs, des de rapports que Mme Lalim a présenté devant le Conseil de sécurité, il était souligné que l'existence gagnons, fédération gagnons, et il était même une allusion qui était fait quoi? Que gon diminution des actes criminels à partir d'existence fédération ça. Donc gon côté gon on fuse qui saute dans tête mon cap dirigé grand pile monde qui comprennent que gagne c'est un moyen pour être cap retourner au pouvoir ou bien conserver le pouvoir dans compétition criminelle que il est habitué fait dans affaire électorale. Il est très clair que aujourd'hui Gagnon atteint au niveau d'autonomie fonctionnelle. Et c'est, moi, quoi que je dis à l'État, dans le cas, parents qui mal éduqué au timoun. Donc, il y a tellement toléré au timoun, mal éduqué l'el petit, et puis l'el vivait grand monde, il manque pas rendre grand public. C'est ça qui a passé là. C'est ça qui a passé. Donc, maintenant, dernière question avant moi, remercier ou et prendre pose drapeau. Et gagne des monde qui, là, nous avons fait une interview avec M. André Michel et autour de l'accord 21 décembre, bon, sans citer, il était indiqué qu'il y a des gens en face dans l'opposition qui a fait espérer que la situation est dégradée pour que tout s'effondre et puis eux-mêmes pour venir avec des solutions. Et dans la discussion politique, il dit que c'est Mounsayo, dans certains cas, qui constitue des blocages pour nous avancer. Et est-ce que une dynamique comme ça, auprès par exemple de l'accord de Montana, et auquel ou pas, et à laquelle, auquel ou pas, et monsieur ou pas? Non, mais ça, c'est blague, mettre la baille. Il y a des gens qui ont responsabilité pour voir, ils ont responsabilité dans la chair, pour résoudre le problème national. Ce n'est pas des gens qui sont en opposition, des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, pour apprendre à faire travailler. Et je ne pas qu'il y ait aucune approche comme ça. Au contraire, les gens qui ont une jouissance de situation, ça, c'est les gens qui croient qu'ils ont un pouvoir, ou bien qui ont une direction pays à la main. Ça va déranger parce que. Et y a marché, par exemple, m'a regardé mettre leur cité là, moi, la marche avec sécurité hotpot. Donc, il n'y a pas un problème de sécurité lui-même. Donc, moi, pas quoi qu'on est quand le docteur Ariel Henry a vu le problème sécurité quand le citoyen ordinaire, parce qu'il y a 20 machines qui déplacent avec lui, avec ZAM, chargé avec femme, avec garçon qui accompagne elle. Donc, faut moi, pas comprendre que moun qui n'a position pouvoir, à vivre problème non ou bien comprendre problème non même j'ai avec eux on a acquitté que y a pépia. Donc il y a ce sentiment d'irresponsabilité ou un progrès fait en tout cas parce que des policiers moi connais les gain des soldats des policiers qui mourent dans des situations pareilles faut que adresser un mot à corps là faut adresser un mot à famille moun yo. Donc ils sont en progrès ils ne l'avaient pas fait les officiers et soldats et policiers étaient morts et dans métivier etc. Donc ils ont certains progrès mais ils ont pas comprendre ça à faire ils ont pas connaître ça à faire et ce sont des monde qui placent au pouvoir par d'autres bras
qui te fait calcul pour te venir récupérer le pouvoir dans l'élection frauduleuse par l'appui des bandits. Maintenant, c'est très clair que ça va marcher. Et c'est très clair que nous sommes obligés de payer les conséquences. Et c'est pas eux-mêmes qui ont fait des bagages pour l'unité. Donc, ou une obligation de modification de gouvernance. Non, en position, dans situation où nous pouvons retirer le corps. Parce que de monde qui peut paraître là, il n'y a pas un bon diagnostic de la situation. Même si vous avez le savoir, mais une prise en charge des troupes, la réorganisation des troupes, circuit pour alimenter les troupes en matériel et équipement au besoin. Donc, même moi, je crois que côté, il faut que vous blé qui fait, et international là, qui parti dans le désastre que nous vivons là, il y a un support pour vous côté sur le plan technique et technologique. Et moi-même, moi, je crois que Dr. Ariel Henry est obligé de faire partie de discussion et tout. On dit faire partie de discussion, ok. Ça, on veut dire, parce que je vais passer 8 heures très rapidement. C'est évident que je dis à Andy, par exemple, et Dr. Ariel Henry dit le démissionner. Qui ça va passer? Oui, cette démission vaut pour toute l'équipe qui l'accompagne. Avec différentes entités, la communauté internationale, qui pour ben, appui technique, parce qu'il y a parti de désastre dans la vie là, on t'a évoqué, le Premier ministre Henrique doit être parti dans la discussion, et on t'a évoqué s'il démissionnait, je dis, ça, c'est qu'est-ce qu'on fait, et on t'a dit qu'il faut qu'il parte dans la discussion, et élaborer pour notre point ça en deux minutes avant de nous remercier, s'il vous plaît. C'est évident, assez souvent, nous avons tendance à aller vers un radicalisme bête qui n'a pas tenu compte de densité, de immensité problème qui est là. Et pas un groupe qui a résoudre problème yo contre un autre groupe et puis pour nous gagner un résultat. Il est évident que moun k'ap dirige pays yo ben qui t'es pensé à stratégie ça, il est évident pour yo qu'on gagne stratégie à l'échouer. Seul résultat stratégie à bay, c'est faire mal à une population que t'a gagné de voix en position de gouvernance pour protéger. Ce n'est pas le cas. Donc, il est obligé de changer de cap. Et pour changer de cap, il y a un rapport que l'international a gagné. Parce que l'international a mieux informé que nous-mêmes sur tout le monde qui a crasé le pays économiquement et qui a crasé le pays dans les criminels et qui a approvisionné tête en munitions rentrées en Haïti et qui a soucié quand l'agent pays a le CEO de bord, qu'on est. Maintenant, il met un régime de sanctions que vous mettez jusqu'à présent en jouette. Parce que yo lagé moun yo accusé yo en dans un pile plage côté chaque on a sélectionné de qui ça a accusé yo vraiment faut que ça fait avec beaucoup plus de sérieux et même pour t'a fait suivi sur le plan de la justice en Haïti toute infrastructure de justice soit tombée plate à terre et utilisation méthode que yo utilisé pour t'a par exemple mettre en place les structures comme la cour de cassation c'est évident que li fait en dehors des normes légales prévues et que le pape cap ba résultat donc faut que ça ait un accord global qui pour gérer toute question ça yo créer conditions pour cap gain une structure de contrôle créer conditions pour cap gain d'autres monde à la gouvernance créer conditions pour gain une justice qui ait une base légale pour agir donc moi même moi pas croire que bandi aussi brave que ça ou tout simplement devant un espace vide et a agi exactement comme le gon l'école dans la cour récréation pas gain professeur pas gain censeur pas gain surveillant général pas gain directeur donc moi même moi crois que il y a des mesures qui pour prendre qui pour affronter pour cap approvisionner cap nourrir cap mettre engrais en bas pied sécurité et là international a gain rôle il commence à jouer. Il commence mal jouer, mais il faut jouer sérieusement. Et sur un autre palier, il faut que quelqu'un qui est capable de demander sur le plan technologique ce qui est nécessaire. Regarde ce qui s'est fait pour l'Ukraine. Nous n'avons pas besoin autant de bagailles. Mais au même tout, il faut qu'on n'ait pas capable d'un vide juridique comme ça, en dans des ordres généralisés, pour prendre matériel, équipement, pays, pour plaquer dans la main de monde, qui dans des mains impures. Donc, il y a un effort pour faire au niveau national. Et moi-même, moi, je crois que, docteur Ariel Henry, il faudrait un petit peu réveiller, il faudrait un petit peu ramener tête à la raison, parce que lui font premier détail que le 11 septembre, qui est allé vers un échec,
li font l'autre bagaille qui est le 21 décembre son mauvaise photocopie de 11 septembre non li pas bay résultat faut que nous arrivions à l'évidence et faut que nous gagnions un gros espace national pour discuter de questions de fond ça pour nous réorienter pays là. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, on dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf s'il le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la vallée pays, nous bras le fait des bases.